Depuis plusieurs mois, l'état de santé de Jack Nicholson ne cessait de faire la une de l'actualité. Alors que de nombreuses personnes assuraient qu'il s'était totalement coupé du monde et qu'il avait pris la décision de ne plus sortir de chez lui, il a surpris ses fans vendredi 29 avril 2023. En effet, le célèbre comédien âgé de 86 ans a fait une apparition très remarquée lors du match opposant les Lakers aux Memphis Grizzlies. Ce très grand fan de basket avait pour habitude d'assister à tous les matchs des Lakers. S'il n'y allait plus depuis octobre 2021, date à laquelle il a fait sa dernière apparition publique à l'occasion d'un autre match de basket, il a sans doute estimé que le match de play-off de NBA était très important. Il était présent dans les tribunes aux côtés de son fils, Ray. Juste avant le début du coup d'envoi de la partie, le comédien a pris soin d'aller souhaiter bonne chance à LeBron James. Dans une vidéo publiée sur compte Twitter officiel de la NBA, on peut voir Jack Nicholson tout sourire avec le sportif. Il a aussi pu échanger quelques mots avec l'humoriste Larry David. Le célèbre acteur semblait être très heureux de pouvoir assister à un match de basket. Jack Nicholson vivrait reclus chez lui avec des problèmes de santé. Pour rappel, ces derniers mois, des rumeurs laissaient sous-entendre que l'acteur triplement oscarisé vivait reclus chez lui alors qu'il était très diminué par des problèmes de santé. Si le comédien n'a pas annoncé officiellement sa retraite cinématographique, son dernier rôle remonte à 2010. Il avait joué dans la comédie Comment savoir, avec Owen Wilson, Paul Rudd et Reese Witherspoon. Avec cette apparition surprise, il a prouvé au monde entier qu'il semblait être en pleine forme et qu'il n'avait pas de difficulté à se montrer en public. Step up, God, you see.